et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Beautiful Box du mois de juin. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ici vous allez pouvoir découvrir plusieurs présentations de box beauté, gourmandise, lifestyle, bijoux, bougies, etc. Et également on se donne rendez-vous en fin d'année pour la présentation de plusieurs calendriers de l'Avent. Donc pareil, principalement beauté mais également gourmandise et bougies. Mais je laisse le suspense, je vous laisse juste activer les petites alertes pour ne rien louper de tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire en début de vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on se retrouve pour la Beautiful Box de juin. Donc si vous ne la connaissez pas très bien cette box, c'est une box beauté française que l'on retrouve tous les mois. Comme son nom l'indique, à l'intérieur on va y retrouver des produits principalement bio, et ou de composition naturelle, cruelty free, made in France, full size. Voilà, donc on retrouve 4 à 6 produits à l'intérieur. Et puis voilà, donc elle est sans engagement au tarif de 39,90€, frais de port inclus. Il y a une petite option Colissimo, je vous avoue que j'ai pas réussi à retrouver le prix de cette option. Je sais qu'à partir du 6e mois d'abonnement, du coup cette option Colissimo est gratuite. Et puis si vous vous engagez sur un an, votre abonnement vous coûtera 32,90€. Sinon, les gros avantages de cette box également, c'est que, il y a une routine tous les mois, ce qui veut dire que tous vos produits peuvent être utilisés si vous suivez bien cette routine. Donc ça, je trouve que c'est sympa quand on n'a pas forcément l'habitude, etc. Là, au moins, vous avez une routine qui est toute faite, vous avez juste à la suivre et tous vos produits du mois seront utilisés. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et puis également, pour vous abonner, donc c'est soit un avantage, soit un inconvénient, on le voit un petit peu comme on veut, mais pour s'abonner, en fait, il y a toujours des offres qui sont très, très, très attractives, donc avec 5 box pour le prix d'une, ou enfin 5 routines pour le prix d'une, ou alors 3 box pour le prix d'une, enfin bref, c'est vraiment des offres qui sont très, très attractives. Donc pourquoi je dis que c'est un avantage, enfin c'est un avantage et en même temps un inconvénient. Donc c'est un avantage pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la marque, qui ne se sont jamais abonnées à la Beautiful Box ou alors qui n'y sont plus depuis un bon moment. Par contre je pense que pour des personnes qui comme moi, prennent un abonnement à une box, peuvent l'annuler 3 mois après, le reprennent ensuite, il y a vraiment de gros risques de doublons de box et du coup je trouve ça dommage que l'on ne puisse pas s'abonner juste la box du mois en cours tout simplement en la payant 39,90€ et pas en avoir 5 ou plus. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire concernant cette box. Maintenant ce que je vous propose c'est de découvrir celle de ce mois-ci. Donc là elle est toute bleue, voilà, comme ceci. Donc on se doute qu'il va y avoir un peu le thème de la fraîcheur, etc. On y voit des glaçons, des citrons, enfin bref, on est bien dans le thème de l'été. Hop. Alors, comme d'habitude, on va retrouver la grande carte avec le descriptif des produits. Je vous le rappelle, si jamais, n'oubliez pas de découper la petite vignette, là, le petit bon, qui est donc à coller sur votre carte de fidélité, car si vous restez abonné un an, vous allez avoir un cadeau, je crois, d'une valeur de 150€ ou quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à garder ces petits bons qui vous donnent donc des exclusivités. Plus longtemps vous restez abonné, enfin plus vous êtes fidèle, plus votre avantage est conséquent. Voici ensuite. On va également retrouver, comme tous les mois, notre petit set de cartes à jouer, donc qui va décrire tous les produits. Et donc les produits sont bien rangés dans l'ordre de la routine qu'on vous propose. Donc ne vous inquiétez pas si jamais vous les mélangez ou si vous, voilà, vous n'avez pas fait attention. C'est bien écrit, de toute façon le nom de l'étape est bien écrit ici. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Et ensuite, donc, on voit le contenu de la box. Donc, c'est comme ceci à l'intérieur. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de prendre les produits dans l'ordre de la routine. Donc, déjà, j'attrape de la marque Olive un gel soyeux qui démaquille, nettoie, purifie. Donc, on a un format de 100 ml. C'est cosmétique bio. Et puis, voilà. Et donc, EcoCert également. Écoutez, voici comment ça se présente. Voilà, je ne sais pas si c'est operculé. Ah, il y a une bonne odeur qui se dégage.
Même à travers l'opercule. Et bah écoutez, à tester. Donc apparemment c'est une texture gel, donc ça je trouve ça bien, ça va être frais sur le visage. Donc ils nous mettent idéal pour le démaquillage et les nettoyages du visage. Le gel soyeux se transforme sous vos doigts en une délicate mousse douce et fraîche. À utiliser le soir pour éliminer le maquillage et les impuretés. Le matin pour préparer sa peau à une routine beauté. Convient à tous les types de peau, même sensibles. Il faut juste éviter le contour des yeux. Eh bien écoutez, c'est très bien. Et donc là, on nous annonce une valeur de 19€ pour ce premier produit. Voilà. Alors oui, je ne l'avais pas dit ça lors de ma dernière vidéo. Par contre, je m'étais amusée à aller regarder un petit peu, vu que j'avais reçu l'équivalent de 5 routines. J'ai pas fait tous les produits que j'ai reçus, mais j'ai été en checker quelques-uns. Et les prix qui sont annoncés... sont cohérents, on va dire, avec ce qu'on peut retrouver sur internet. Donc voilà, déjà il n'y a pas non plus en gros on gonfle pas les prix sur les petites cartes. Voilà, ça je voulais quand même vous le repréciser, j'avais oublié de le dire dans ma dernière vidéo. Donc voici. Et puis oui, à l'arrière des petites cartes, si vous ne connaissez pas, parce qu'à l'avant en gros c'est juste une description assez rapide du produit, et puis à l'arrière vous avez vraiment l'histoire de la marque, la composition, un petit code remise si vous commandez sur le site de la marque. Et puis on vous explique également comment fonctionne le produit. Et également on vous donne les indices Inky. Donc voilà, vous avez vraiment tout le détail concernant le produit au dos de la carte. Donc ça je trouve que c'est pas mal. Ensuite... on reçoit... ah oui, alors ça c'est un produit, si vous vous êtes abonné ce mois-ci, vous ne l'aurez pas parce que Beautiful Box, un petit peu, ben voilà, vu que les offres sont très attractives, comme je vous l'ai dit lorsqu'on s'abonne, récompense la fidélité de ses abonnés en mettant quelques produits bonus dans certaines boxes. Donc là c'est le cas, on a donc de la marque Xsense, donc un gel nettoyant intime, donc à l'aloe vera bio, donc on a un format de 100 ml de nouveau. Et puis voilà, c'est EcoCert, Cosmo Organic, c'est vegan, etc. Donc voici comment se présente le produit. Voilà. Je vous avoue que je passe assez vite parce qu'on est à la fin du mois, donc je sais que vous avez déjà vu plusieurs, on va dire, revues concernant la Beautiful Box. Mais voilà, je voulais quand même vous faire la mienne. Mais voici le produit, donc c'est pareil, c'est encore sous une texture gel, ce que je trouve pas mal pour l'été, voilà, c'est plus frais, c'est plus agréable, voilà, en hiver on veut des choses bien réconfortantes, en été on veut plutôt des textures un petit peu gélifiées, donc je trouve que c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'ils nous disent concernant ce petit produit? Donc le soin nettoyant intime quotidien Intime Balance préserve la muqueuse vaginale grâce à son pH physiologique et à sa formule très douce, sans savon. Il contient de l'aloe vera, connu pour ses propriétés hydratantes et apaisantes. Il peut donc être utilisé à tout moment. À utiliser chaque jour lors de sa toilette intime, faire mousser et rincer à l'eau claire. Donc voilà, un gel intime, tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, de la marque UV Bio, donc j'attrape un gel solaire transparent. Donc voilà, il y a un SPF de 30, c'est pour le visage. On a un format de 30 ml, donc c'est pareil, cosmétique bio, EcoCert, vegan, enfin voilà, tout ce qu'il nous faut. Donc moi je vous avoue que je mets pas forcément trop de protection solaire, alors déjà parce que je bronze assez facilement, je sais c'est pas une excuse, je devrais en mettre quand même malgré tout, c'est pas forcément un automatisme chez moi on va dire. Vu que ma peau accepte plutôt bien le soleil, mais je pense que du coup ça aurait peut-être pu être judicieux de mettre un SPF 50, on est quand même en début d'été, donc je me dis ça aurait peut-être été pas mal de retrouver un SPF 50 pour les personnes qui sont vraiment sensibles au soleil. Je pense qu'un SPF 30 on le met plutôt, bah voilà, une fois qu'on a quand même déjà un teint un petit peu hâlé, si on est vraiment très fragile. Voilà, je me dis qu'un SPF 50, ça aurait peut-être été pas mal. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai tort. Mais voilà, je pense à une amie qui a la peau très très sensible, enfin qui a vraiment beaucoup de mal avec le soleil. Un SPF 30 pour elle, par exemple, c'est pas forcément suffisant en début de saison en tous les cas. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et donc, mais par contre, ce que je trouve cool, c'est que c'est encore une texture gel. Donc ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc là on met 100% du total des ingrédients, elles sont donc d'origine naturelle, 47% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Et puis voilà, sinon de toute façon hein, ça s'utilise comme une crème solaire classique.
Voici. Mais ça, donc, je pense que je le donnerai parce que moi, je m'en servirai pas de toute façon. Et puis, pour les enfants, je mets pas forcément ce genre de choses. Donc, voilà, je mets plutôt vraiment le SPF 50 pour les petits. Donc, du coup, ça, c'est pareil, je m'en servirai pas. Ensuite, de la marque Hydroxyderme, j'attrape donc un gel d'eau hydratant antioxydant, donc pour tout type de peau. C'est cosmétique bio écocert, cosmo organique, et donc c'est à l'eau minérale naturelle. On a 30 ml. Et donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce gel d'eau a été élaboré à partir d'eau minérale naturelle d'hydroxydase et de gentiane. Grâce à ses propriétés hydratantes et antioxydantes, il régénère la peau en douceur. La gentiane maintient la peau en bonne condition. Le gel d'eau apportera à votre visage une note de fraîcheur discrète et agréable. Bah écoutez, c'est pas mal ça. Ils mettent que c'est appliqué le matin et ou le soir sur visage et cou sans rincer. Et on peut également appliquer le gel en couche épaisse comme un masque et il faut le laisser agir 15 minutes et le rincer. Bah écoutez, ça c'est plutôt pas mal. En plus, comme je vous dis, encore une petite texture gel, donc pour l'été, je trouve ça top top top. Voilà. Et on en arrive donc au dernier produit. Donc là, c'est de la marque DWTN Paris. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est un sérum tonifiant pour les cils. Ah, mais oui, 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 j'avais déjà vu passer ça. C'est pas mal. Donc, on a 10 ml. Tic-tic-tic-tic. C'est vegan. C'est 99,9% d'origine naturelle. Et puis, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Bah, écoutez, là-dessus, pas grand-chose. Donc, voilà comment se présente le produit. Et donc... Là, ils nous mettent que de toute façon, c'est à appliquer en racine de cils grâce au pinceau. Pour un résultat optimal, il faut l'utiliser quotidiennement. Et puis voilà, donc il y a de l'huile de ricin, du maru blanc, nanana, de l'extrait de curcuma. Donc en gros, voilà, ça va aider à la pousse des cils. Donc ça s'utilise, ça je vais l'ouvrir puisque je vais m'en servir. Voilà, il y a une petite pointe comme ceci. Et puis en fait ça s'utilise comme un liner, hein. Vous le mettez vraiment en racine de cils et puis vous mettez ça le soir et puis ça va aider à la pousse des cils. Donc bah écoutez, moi je vais m'en servir puisque voilà, ils sont pas très longs, pas très fournis mes cils, hein. C'est toujours la catastrophe. Donc pourquoi pas tester ce petit produit, donc qui vaut tout de même 22 €. Ah zut, oui, j'ai oublié le goodies, le petit masque qui doit aller avec le gel d'eau. Oui voilà, c'est ça, ça va avec le gel d'eau. Donc en fait, avec le petit gel d'eau, on nous a mis, donc vous voyez, donc c'est assez rigolo. Donc le petit masque pour les yeux avec les petits concombres, donc ça en plus, c'est pas mal, on sent qu'il y a, comment dire, on sent qu'il y a un peu de liquide comme ça à l'intérieur. Donc vous mettez ça au frigo, vous vous appliquez, si vous le mettez sous forme de masque par exemple, ce petit gel, vous le mettez sous forme de masque. Ce que vous faites, vous mettez ça au frigo avant, même le gel j'ai envie de dire. Et puis vous appliquez ça sous forme de masque, vous mettez ça sur vos yeux, j'ai envie de dire que voilà, vous vous posez dans le canapé, là vous êtes bien. Il peut y avoir la canicule dehors, ça va vraiment vous faire un bien fou. Donc voilà le petit combo de produits. Hop! Et donc j'en arrive à la fin de cette box. Donc voilà, je vous dis, comme je vous le dis, je suis passée assez vite parce que je sais qu'elle a déjà pas mal tourné cette box sur les réseaux. Moi ce que j'en pense, écoutez, je suis quand même plutôt satisfaite. Il y a des bons produits à l'intérieur. J'aime le fait que tout soit sous forme de gel ce mois-ci. Là, on est vraiment à la période de l'été. En plus, cette semaine, je pense que tout le monde a eu des températures, bah, pas caniculaires, mais je veux dire, voilà, on a vraiment eu des températures assez élevées. Donc j'avoue que ça, c'est une petite routine, par exemple, qui m'aurait fait du bien si je l'avais reçue un petit peu plus tôt. Mais voilà, donc je suis vraiment contente, ça pour la période estivale, c'est toujours super agréable. Comme je vous le dis, il y a juste ce petit gel solaire dont je ne me servirai pas, mais je trouverai forcément quelqu'un à qui ça fera très plaisir. Donc je m'inquiète vraiment pas là-dessus.
Mais dans l'ensemble, non, je trouve que la box est vraiment cohérente, on a des bons produits à l'intérieur, donc ce mois-ci, je suis vraiment plutôt contente. Donc comme vous le savez, si vous avez regardé ma dernière vidéo concernant la Beautiful Box, d'ailleurs je vous la remettrai dans le petit i juste ici en fin de vidéo si vous l'avez manqué, il me reste encore le mois prochain à recevoir la Beautiful Box. Je suis pas persuadée que je vais poursuivre parce que là actuellement je la paye 29,90 du fait de l'offre dont j'ai bénéficié pour m'y abonner. Après voilà, je pense pas que c'est une box que je garderai. Comme je vous l'ai dit, hein, j'en ai testé vraiment plusieurs de box bio pour me faire un petit peu une idée. Alors celle-là est vraiment bien. Après voilà, elle est quand même 40€, donc même s'il y a une bonne valeur produit à l'intérieur, je sais pas, j'aurais peut-être plus envie de craquer par exemple pour une box type la Love Lula ou voilà, peut-être même donner un petit peu plus de temps à la Nuo qui est quand même aussi de super bonnes compos, qui est quand même moins chère, enfin voilà, on est quasi à moitié prix. Donc du coup voilà, je pense pas que je vais la conserver, je dis pas que je la reprendrai pas du tout, je vais peut-être me laisser voilà quelques mois et puis quitte à rebénéficier d'une nouvelle offre par après, je ne sais pas, mais en tous les cas voilà, c'est pas une box que vous reverrez forcément tout de suite sur ma chaîne. Parce que je pense qu'il y a d'autres box qui peuvent être plutôt sympas à regarder. Sachant que, comme je vous l'avais dit, j'avais eu un gros coup de cœur pour la box Evidence. Donc non, je ne l'ai pas oubliée. C'est juste que je présente également des box sur la chaîne des box. Donc je vous laisserai le lien en description de vidéo si jamais pour cette chaîne. Donc là, actuellement, je n'en ai présenté qu'une puisque j'ai démarré le mois dernier. Et puis, bah, du coup, gros coup de chance parce que la box Evidence était disponible. Donc du coup, je vais pouvoir la recevoir. Mais par contre, je devrais la présenter sur la chaîne des box. Donc du coup, n'hésitez pas à aller checker un petit coup de temps en temps parce qu'il y aura ma présentation de plusieurs box, 7 box très exactement, sur la chaîne des box. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis voilà. Écoutez, j'en arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est gratuit. Moi, ça m'encourage. Et puis, en même temps, à activer les petites alertes pour ne pas louper les prochaines qui vont arriver. Voilà. Eh bien, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.